Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de Cœur des Morts. Entretenir avec un des citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information de l'État. Ce cloche à main a été retrouvé par la police au lieu d'une cloche. De plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom ? Maman m'a piqué mon portefeuille ! Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal ! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. Connor, je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de 2 vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Hein ? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia. Non, m'abandonne pas. Reste avec moi. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. J'ai fait pour survivre à ça. Reste où t'es, pourriture. J'arrive immédiatement. Cette poignée bouge pas, elle est coincée. Hé, hey, mon attention. Dieu. Non. Non. Non, non, non. Je suis vivant. Il est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Allez, quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Non. Allez. Thank you.
Ronan ? J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que je t'ai trouvé. C'est pas vrai. Julia. Je croyais que je te reverrais jamais. T'as l'air en forme. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je donnerais n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi ? Non. Oh non, ça va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où ? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont ? Quoi ? Quel pont ? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends ? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance ? Et c'est là que tu es ? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps, réfléchis. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens ? J'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y ! Non. Julia, quand je t'ai perdu, ça m'a anéanti. Je t'en prie, ne fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non ! Ne me laisse pas, Julia ! Et merde ! Allô ? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Rigal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Et il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup oh, de non. sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. C'est pas vrai. Hé, toi ! Hé, tu m'entends ? Reviens ! Hé, pourquoi tu t'es enfui ? J'en ai assez d'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non ? Fonctionne ? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents, et peut-être que tu t'en sortiras. Qui es-tu ? Ça fait longtemps que t'es ici, non ? Moi ? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper. Je... Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper ? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais ? C'est dingue. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Ah. Comment ça se fait ? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Hé, 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 mais attends ! Il faut que tu m'en dises plus ! Bordel ! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre ? Voir son propre cadavre étendu dans la rue. C'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet.
Ouais, bonne idée, Baxter. Fais joujou avec les preuves. Des renforts? Tu me prends pour un bleu? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. Chef. Baxter, hey, tu te calmes, tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais, et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... Enfin... Prenez le temps que vous voulez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meures. Eh, fais-moi plaisir, l'escroc. Dis à Julia qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle? Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Bien reçu. Comment c'est réapparu? J'ai fait quoi? Hé! Reviens! C'est Note. Ne te regarde pas. Génial. On dirait... une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais. Je devrais peut-être jeter un œil au quatrième avant que la police emporte les preuves. T'as vu la fille qui habite ici? Si tu la vois, tu viens me prévenir, ok? Bon sang.
C'est ma mère qui m'avait donné ce flingue. Attends, qu'est-ce que le tueur était venu faire ici? Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. C'est ça que j'ai interrompu. Il cherchait la fille. Où est-elle passée? Je dois apporter cette photo à Rex pour l'alerte Amber. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment? Bien sûr, mon enfant. L'église est toujours prête à aider. Nous avons un grenier dans lequel tu pourras rester le temps qu'il faudra. Je sais que je peux plus mourir, mais... j'ai toujours peur du vide. Quand on est en cavale, faut avoir un sanctuaire. Un lieu où rien de mauvais peut vous atteindre. Mais on n'échappe jamais aux questions. Elles vous poursuivent toujours. Le grenier doit être par là. Elle est où, ce chat, Phil? L'aération est en panne? Bien, je ne veux pas être désagréable, mais vous appelez ça un centre de table? Je ne sais pas, Angie. Brian est un garçon charmant. Ah, la voilà, enfin. Pourquoi je perds toujours mes clés quand je dois partir? Allez, sors de là! Oh, c'est pas vrai, si tu essayes encore une fois de me posséder, arrête! Tu n'as aucun droit de m'impliquer dans tes affaires non résolues! Attends, je suis sur la piste de mon assassin, d'accord? Celui qui a failli s'en prendre à toi il n'y a pas une heure. Et si... Attends un peu. Tu peux me voir? Et tu m'entends? Incroyable. Tu es médium.
Ben mon vieux, ça c'est ce qu'on appelle du bol. J'ai trouvé l'assistante parfaite. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma famille? Aider la police à faire son boulot, c'est pas un privilège, c'est un piège. Je suis ni ton indic, ni ton équipière, ni ton ami. Je te dois rien. En fait, c'est le contraire. Ok, ok, j'ai compris. T'es une dure, d'accord. Mais tu l'es pas autant que lui, t'as bien vu ce qui s'est passé. Il en a après toi ou quelqu'un que tu connais. Et cette personne peut s'estimer heureuse d'être encore en vie. Je sais ce que je fais, et tu peux m'aider à l'arrêter. Tu n'as qu'à répondre à quelques questions. Je me suis fait descendre en suivant cet enfoiré dans votre appartement. Qu'est-ce qu'il veut, à ton avis? Ce taré en avait plus tôt après ma mère. Pas moi. Moi, je suis personne. Invisible. Il en avait après ta mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est... comme moi. Mais elle, elle a trouvé un moyen respectable d'en faire son gagne-pain. C'est pour ça qu'elle est toujours en danger. Un moyen respectable? Ouais. Hey, tu la connais peut-être? Elle a assisté tes potes flics sur l'affaire du crieur. Elle est consultante. Profileuse. Désolé, petite. Ça me dit rien. J'ai trouvé ça dans l'appartement. Ça parle d'un carnet sur le crieur des morts. Et c'est son écriture. Un carnet sur le crieur. Si elle est profileuse, c'est sûrement là-dessus qu'elle prend ses notes sur l'affaire. Il doit être au poste. Ah oui? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu faisais dans votre appartement? J'habite là-bas, Sherlock. Enfin, j'habitais. Bref, ma mère a disparu il y a quelques jours. Je la vois pas souvent, mais elle s'est jamais volatilisée. Pas comme ça. T'es pas en sécurité. Tu dois être protégé. La police retrouve les personnes disparues. Je t'ai retrouvé. Je peux t'aider à retrouver ta mère. Toi et moi, on a un problème en commun. Je crois pas, non. Le prends pas mal. Tu m'as sauvé la vie et... je te remercierai jamais assez. Mais tes problèmes sont tes problèmes. Les miens sont les miens. Les voilà. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. Bon séjour dans l'au-delà. Hey, attends une minute! T'en vas pas! Arrête-toi une seconde, d'accord? On est dans la même galère, si ta mère est impliquée, il vaut mieux qu'on collabore. Qu'on collabore? Et tu vas faire quoi? Tu es mort! Je m'en sortirai, alors laisse-moi tranquille! Je suis sûr qu'elle en sait plus. Il faut pas qu'elle parte. Bon sang. Et maintenant? Oh non. Alors, où elle est partie, hein? Allez, pars. Va chercher mon carnet au poste. Ne te retourne pas. Ouais. Elle va au poste de police pour voler un carnet. Elle passera inaperçue. Tu savais que sa mère bossait pour la police? Très bien. Comme tu voudras. Il est temps de retourner au poste. Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Marrant comme l'histoire se répète. Et ce soir? Il utilisait un flingue pour la première fois.
Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais, c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG, le crieur des morts. Non. Pas de suspect pour l'instant, chef. Votre commandement laisse à désirer, lieutenant. Peu importe qui a laissé Ronan y aller seul, vous êtes responsable. Nous avons perdu l'un des nôtres, et vous me dites que vous n'avez aucun suspect, aucune piste? Écoutez, capitaine, il portait des gants, et visiblement il n'a rien touché dans l'appartement, mis à part la poignée de la porte d'entrée. Il n'a laissé ni empreinte, ni fibre, ni rien qui nous permette de l'identifier. Et si vous vous imaginez que j'ai pas envie de le faire payer, vous vous trompez méchamment! Maîtrisez-vous, Rex. Tout le monde sait qu'il était votre beau-frère. Pas la peine de le répéter. Mais si vous relâchez encore votre attention, d'autres policiers vont suivre Ronan. Vous me comprenez? Retrouvez ce mec. Au moins un indice qui nous le serve sur un plateau. Vite. C'est un ordre. Oui, compris, chef. Chacune de ces clés constitue un délit. Chacune. Tu saisis, hein? Non? Ok, tant pis pour toi. Installe-toi, relax. Tu vas être là un moment. Chier! Bon, écoute. Écoute, je peux peut-être faire quelque chose. Est-ce que le carnet de ta mère sur le crieur est ici? Ouais. Et il m'aiderait sûrement à retrouver ma mère. Mais comme je te le rappelle, t'es mort. Qu'est-ce que tu comptes faire pour m'aider? Hey. Je connais cet endroit mieux que toi. Avec qui ta mère travaillait ici? Qui? Je ne sais pas. Elle l'appelait juste bâtard. Baxter. D'accord. Son bureau était au deuxième. Viens avec moi, je t'y emmène. On bouge. Et où on va? Il surveille. Pas pour longtemps. Fais ce que je dis. Je vais faire passer les gardes jusqu'à la porte de l'autre côté. Fastoche. Ouais. La dernière fois, ça t'a réussi, Magellan. Baisse-toi ou ils te verront. Accélère, petit. Je parie que ce truc date de l'Antiquité. C'est bizarre. Le moment, petite. Continuez. Bien joué, petite. On y est presque. J'ai pas besoin d'un coach. Eh, jusqu'ici, j'ai bien géré, hein. C'est ça, et tu t'es fait trouer la peau, monsieur la passoire. Burke, je déteste ces trucs. Je peux pas traverser, tu vas devoir m'aider. Tu peux pas juste voler par-dessus? Quoi? Je sais pas. Je suis un fantôme, pas un avion, ok? Et t'as besoin de moi pour trouver son bureau. Je pense qu'on sera quitte après ça. Ok, mec, sors de là. C'est bon. Reste baissé, mais va plus vite que ça. C'est pas passé loin. Où ils sont tous? Les inspecteurs travaillent de jour. Bon, où est l'ancien bureau de Baxter? Dans le couloir du fond, sur la droite. Ok. Tu veux te faire arrêter? Quelle délicatesse, une vraie tornade. Le bureau était comme ça quand on est arrivé. Ouais, pas faux. Où on peut cacher un carnet dans une si petite pièce? Qui sait? On dirait que quelqu'un essayez de cacher ton casier.
mais j'ai des preuves. Il n'a jamais utilisé ce dossier pourri contre moi. Vas-y, prends ton temps. Rien ne presse, le carnet va apparaître tout seul. Mais attends une seconde, là. Les flics ne laissent pas traîner les preuves. Faut juste que je réfléchisse. Je crois que j'ai trouvé. Fais voir. Il y a un bouton sur le côté du râtelier. Ouais, t'as raison. Dis-moi que tu comprends la signification de tous ces symboles. Oui, enfin, certains. Tiens, bizarre, la dernière chose qu'elle a écrite, c'est « Il sait qui je suis ». Oh non, ça prouve qu'il était sur sa trace. Tu n'en sais rien. Allez, on devrait partir. Oh, merde. Hey, c'est quoi ça? Le musée... étrange. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'en sais rien, mais prends-le, on verra plus tard. Attends, attends! Je vais voir si la voie est libre. Rex. Qui c'est? Un flic qui doit pas te voir. Bon, tu vas devoir foncer vers cette pièce là-bas, mais attends mon signal. Hé, hey, lieutenant, une seconde. Vous savez ce qui a déclenché l'alarme? Go, go, go! Mais attends, c'est quoi cet endroit? Le QG de l'affaire du crieur. Il y a tous les éléments de l'enquête. Bon, j'ai eu ce que je voulais, alors... salut! Hey, si tu continues à la jouer solo, tu vas finir par te faire descendre. Et si on se disait plutôt... Merci, au revoir. Chier. Hey, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Si t'es si intéressé par l'affaire, va te trouver tes indices. Tu ne retrouveras pas ta mère sans moi. Quoi? Le carnet de ta mère peut aider à trouver le tueur. Mais il ne nous dira pas ce qui lui est arrivé à elle. La seule solution pour nous deux, c'est de trouver l'identité du tueur. J'ai besoin d'aide dans le monde des vivants, et toi, t'as besoin d'un inspecteur. Sa dernière affaire? Le cimetière d'Ashland Hills, personne ne le voit, mais il est là. Quoi? Je ne sais pas, je crois... Je crois que ma mère pensait qu'il y avait une affaire liée au crieur. Pas les flics. Ok, alors on va là-bas, Ashland Hills. On? Allez, on a besoin l'un de l'autre. Je crois que c'est surtout toi qui as besoin de moi. Bon, allez, partenaire. Ok. Pour l'instant. L'instant, ça me va très bien. Ronan. Je m'appelle Ronan O'Connor. Et moi... Joy. Sérieusement? Et Ronan, c'est mieux peut-être. Quoi, tes parents t'ont pris pour un type du Moyen-Âge? On va vraiment dans un cimetière, alors? Ouais. J'ai un truc à faire avant. On se retrouve là-bas. Non, pas question que je te laisse filer. Si tu me suis, j'annule notre accord. Si ça doit se faire, je te rejoins là-bas. Sinon, tant pis. T'as intérêt à te pointer au cimetière, petite. T'es la seule vivante qui puisse m'aider. Avant, je voyais cet endroit comme la dernière demeure de Julia. Maintenant, ce n'est qu'un lieu où repose son corps. Et bientôt, le mien y reposera aussi. Ce cimetière n'a rien d'une demeure. C'est un lieu où viennent les vivants, pour mieux se souvenir de nous.
Boo. Génial. Je suis suivi par une autre petite fille fantôme. Désolé d'avoir mis si longtemps, Julia. C'était plus douillet au poste de police, tu trouves pas? Ton truc à régler, c'était d'aller chercher une torche. Mais tais-toi. Je te vois pas et on se parle pas, d'accord? Cet endroit grouille de gens que je préfère éviter. Ça reste quand même des gens. Le carnet dit qu'il y a un meurtre qui s'est passé ici, une fille. Mais je ne vois que de la terre et des feuilles. La piste ne peut pas s'arrêter là. C'est trop tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'en occupe. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu les policiers enquêter ici il y a quelques semaines? Pas de près. Je crois qu'ils examinaient un truc derrière moi, mais je suis pas sûre. Son corps s'est échoué sur les berges, donc elle a été tuée ailleurs. Mais où? Il y a des kilomètres de berges. Autant chercher une aiguille dans une botte d'aiguilles. Non, Einstein. Là, c'est un paquet d'aiguilles. Grouillant de fantômes. Si je pouvais lui demander... à elle, à Sophia... Eh, attends, peut-être qu'on peut. C'était elle, le fantôme qui m'observait. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. C'est elle. C'est la fille de la photo. Bon sang, arrête un peu ça, tu veux? Attends, me laisse pas ici avec... Vous avez vu ça? Ouais, elle parlait avec ce policier mort. Donnez-lui une chance. J'ai besoin de votre aide. T'as entendu ça? À ton avis, bien sûr que j'ai entendu. Des démons. Fais chier. Je suis de ton côté, je veux découvrir qui t'a assassiné. Oui, oui, c'est ça, je suis un flic. Mais non. T'essaies pas de m'échapper. Tu cherches à me montrer quelque chose. J'en étais sûr. Le crieur des morts. Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière? Hé, ça ira. Tu peux sortir de l'eau maintenant. C'est bon, viens. Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? Non. C'est le souvenir de ton meurtre. T'es trop jeune. Tu devrais pas voir ça. Je jure que je ne sais rien sur un contrat! Pitié!
ce symbole. Arrêtez! Pitié! Pitié! Il l'a dessiné sur toi. Son symbole, ça veut dire quelque chose. Arrêtez, je vous en supplie! Je devrais retourner voir Joy. Ronan, j'ai entendu des cris. C'est cool. Tu vas bien. Je suis toujours mort. Dis-moi que t'as trouvé quelque chose. Oui, en effet. Le crieur a noyé cette fille dans le lac puis a laissé le corps dériver dans le courant. Ma mère avait raison. C'est un coup du crieur. Est-ce que... t'as trouvé un truc sur ma mère? Un souvenir ou autre chose? Désolée, petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille, ce type est... un vrai sadique. Le plus étrange, c'est... c'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat? Je ne crois pas avoir lu quelque chose... sur un contrat. Attends, attends. Il y a une autre affaire, peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic, schizophrénie paranoïde, délire de persécution, propos incohérents. Sur un contrat. Encore. Et est-ce que ça dit où elle est? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit, ça? Ouais. Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. Comme par hasard. Ok, t'es prêt à y aller? Je te rejoindrai. J'ai quelqu'un à voir ici. Oh. Alors, on se retrouve à l'hôpital? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Bientôt. On sera ensemble. Bientôt ensemble. Je suis navré, Julia. J'ai de mauvaises nouvelles. T'en fais pas, mec, elle est déjà au courant. L'hôpital psychiatrique. Le seul endroit où la torture est considérée comme un traitement. Si leurs méthodes parviennent à rétablir la santé mentale d'un patient, il vaut mieux pour eux qu'ils ne gardent aucun souvenir de l'expérience. T'es prête? Relax, on est sorti du cimetière. Oui, pour aller chez les dingues. Quel progrès! L'endroit où finissent tous ceux comme moi, ceux qui voient l'invisible. T'es pas folle à ce point, allez viens. Ok, je vais t'aider à entrer, mais je... Mais quoi? Si quelqu'un doit interroger Iris à propos du contrat, il vaut mieux que ce soit fait par une personne vivante, non? Oublie pas que c'est moi qui t'ouvre les portes, gros malin. Ouais, ouais.
Bon, petite. À toi. Et débrouille-toi pour avoir le numéro de la chambre d'Iris. Bonjour. Vous pouvez m'aider ? Je cherche une amie. Les visites sont terminées. D'accord. Mais elle était avec la police. Alors adresse-toi à la police. Je l'ai fait et ils ont dit qu'elle représentait un danger pour elle-même. Je ne peux rien pour toi. Très bien. Continue de lui parler, on doit absolument trouver son point faible. Peut-être qu'en regardant sur son bureau... Oh mon chéri, je déteste être ici. Je me fais du souci pour toi. Tu es tout pour moi. Exactement comme cette fille avec son amie. Désolée, je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui compte sur vous. Quel est le nom de votre amie ? Iris, Iris Campbell. Oui, on dirait que ton amie Iris est bien ici. Rassure-toi, tout va bien se passer. Merci, je me sens mieux. Faut juste que jette un œil sur son écran. Elle est dans la chambre 216, on doit faire vite, Joy. Elle doit bientôt recevoir des électrochocs. S'inquiéter pour les électrochocs, mais... Il est déjà trop tard pour elle. Non, ne dis pas ça. Bon, très bien. Va voir ce que notre témoin psychotique a à dire. Pas besoin de toi, en fait. C'est quoi ces trucs ? Une forme de traitement par là, ou... Non. Bleu. Bleu. Des yeux bleus, froids comme la mort. Qui avait des yeux bleus ? La mort ? Comment ça ? Œil bleu. Œil de loup. Regard bleu. La vie d'Iris en sacrifiant la sienne. Le crieur s'en prend aux jeunes filles. Mais c'était quoi ? T'as vu quoi ? Pauvre petite.
Sa sœur l'a libérée. Elles allaient être brûlées vives, mais... Iris, elle, n'a pas pu faire pareil. Laisse-nous tranquille! Ça va? Ronan. C'est Rose. Des flammes. Elle était possédée. Non! N'approchez pas! Qui êtes-vous? Moi, c'est Joy. Tu n'as rien à faire ici. Les infirmiers. Merde! Je suis foutue! C'est peut-être la clé de tout ce merdier. Aide-la! Aide-la! Allez, viens, on l'emmène avec nous! Non! Vous l'emmenez pas! Écoute, tu préfères les électrochocs? Elle reste ici. Tu veux qu'elle soit en sécurité? Elle vient avec nous. À toi de voir. Par ici. Dans ce coin sombre, la voie est libre. Pourquoi mes pires cauchemars n'en finissent jamais? Ok, tirons ça au clair. Je pensais que je ne reverrai jamais ça. Bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce contrat? Rien, Allez. Ça n'a aucun sens. Il t'a juste demandé si t'avais entendu parler d'un contrat? Il a rien demandé. Il voulait juste qu'on avoue... qu'on avait passé un contrat avec... les démons. Démons? On lui avait rien fait. Rien qui justifie qu'il s'en prenne à nous comme il l'a fait. Comme il l'a fait. Noyer une fille, en brûler une autre. Et où est-ce que j'ai déjà vu ce bûcher? Ok. Bon, écoute, emmène Iris dans l'église, assure-toi qu'elle ne risque rien. Je vous rejoins plus tard, va! D'accord, allez viens Iris. Bon. Je me demande quel est le rapport entre la soirée au musée et la mort de Rose. Voilà un cadre qui convient bien à cette enquête. Les meurtres du Crieur ont provoqué la panique dans cette ville. Et maintenant, mes recherches me mènent ici, à une soirée de gala en l'honneur d'une époque à laquelle Salem était en proie à l'hystérie collective. Rassemblez-vous et soyez témoins d'une action juste et vertueuse, dans le but de juger une offense épouvantable. Donc vous, Madame Putnam, vous êtes ici accusée du meurtre de 7 de vos enfants, qui, d'après vos dires, était sous l'emprise du mal. Il y a intérêt à ce que j'en tire quelque chose. Je n'ai rien fait de tel. Cet enfant diabolique que j'ai engendré est mon accusatrice. Le moment est venu, Abigail Williams. Calamité de Salem, prépare-toi à payer pour tes péchés. Confessez-vous, sorcière. Confessez votre alliance, le contrat démoniaque avec le mal. Le Crieur des Morts s'est servi du même type d'instrument de torture. Pourquoi les tuer comme des sorcières? Je suis étonnée de ne rien voir sur les accusateurs, c'est une partie tellement importante du patrimoine. En réalité, certaines des pièces ne sont pas encore exposées. Nous les préparons actuellement dans la salle de restauration. Joy? Je t'ai dit de veiller sur Iris. T'es pas mon père, ok? J'ai appris pas mal de choses ici. Le Crieur exécute ses victimes comme des sorcières. Je vais aller voir en haut ce que je peux trouver d'autre.
Fais juste attention aux caméras et aux alarmes. Merci du conseil, mais c'est pas la première fois que je fais ce genre de truc. Voyons ce que ces objets peuvent m'apprendre sur les procédés sorcières. Dis, petite, j'ai besoin que tu remontes ce tableau. Ça s'appelle... la sorcière pendue. Ça fout les jetons. C'est la marque du tueur. Et pourquoi Baxter est-il mêlé à tout ça? On lui a retiré l'affaire quand il a été rétrogradé. On a trouvé la marque du tueur. Et on a également un suspect. On y est presque. Enfin, on est très loin d'avoir retrouvé ma mère. Comme je l'ai dit... pleurnicher ne nous avancera à rien. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Tu piges jamais rien. Je ne pige rien? Ma femme a été assassinée il y a 3 ans. Elle a disparu dans la lumière. Et moi, je me retrouve ici coincé avec une ado insupportable. Ta mère se cache depuis quoi? 2, 3 jours? Hein? Et je te promets qu'on va la retrouver. Si j'échoue, si on échoue, je ne reverrai plus jamais Julia. Jamais! On n'échouera pas. J'ai pas besoin d'un coach. Je suis désolée. Je savais pas pour ta femme. Bon. On a des pistes à suivre maintenant, tant qu'elles sont fraîches. Toi, retourne à l'église. L'église? Mais et toi? Baxter est notre principal suspect. Je vais aller faire un tour dans son appartement et voir si je peux trouver des infos. Aller fouiner chez un flic, c'est pas bon pour une fugitive. D'accord, à plus tard. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous allez où? Ah, non, non. Les flics et les malfrats s'habituent aux couleurs des gyrophares. Mais même après un certain temps, elles peuvent encore vous glacer le sang. Il arrive d'avoir le pressentiment que cette fois-ci, les lumières s'allument pour vous. Heureusement que tu n'as rien. Non, non, Joy! Joy, non! Bordel. Lieutenant, elle prétend être une amie du prêtre. Je l'ai surprise dans l'escalier. Oh, où est le père McCauley? Est-ce qu'il va bien? Mettez-la dans ma caisse. Je l'interrogerai moi-même. Et rappelez à Brawls que cette porte va pas se garder toute seule. Oui, chef. Mais répondez à ma question! Allez-y doucement avec elle. Hey, est-ce que quelqu'un a vu Baxter? Non. On a été voir au poste. Chez lui, personne. Il y a quelque chose qui cloche. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? J'ai l'impression de nager en pleine énigme. Je sais pas. C'est... tellement tordu. Tordé. Je dois aller sur les lieux du crime avant qu'ils en scellent définitivement les preuves.
Iris? Non, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je suis désolée, pitié. Si elle était restée à l'hôpital, elle serait encore en vie. Ne te raccroche pas à ce qui te retient ici. Souviens-toi, c'était pas ta faute. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Oh, merde! Je crois que j'ai vraiment besoin d'arrêt. Ok, tout le monde, on a fait cette photo. Il faut qu'on aille à la réception, là. Très bien, serrez-vous. Oh, mais qu'est-ce que... Elle n'a rien. Ça va, ça vient. Oh, laissez-moi partir. Laissez-moi. Il est ici. Écoutez, partez maintenant! Hé, hey, hé, hey, hey, arrêtez! C'est bon, je le tiens! Non, ces meurtres ne suivent pas le mode opératoire du crieur. Ils se sont interposés, c'est tout. Sa cible, c'était Iris. Peut-être que je trouverai plus d'indices dans la chambre de Joy. Oh non. Comment je vais apprendre ça, Joy ? Je doute qu'elle soit la colocataire idéale, étant donné son caractère. Mais la chambre te plaira, et vous finirez bien par vous entendre. Ne vous en faites pas, je m'entends bien avec tout le monde. C'est très bien. Voici la chambre. Nous y sommes. Mon père ? Qu'y a-t-il ? Va-t'en ! Va-t'en ! Le tueur est venu ici pour Joy, mais il a finalement assassiné Iris. Et les indices s'arrêtent là. Alors où est Baxter? S'il n'est pas ici, il va devoir s'expliquer. Et toi alors? T'as vu quelque chose? Doucement, Minou. Doucement, c'est ton vieil ami Ronan. Qu'est-ce que c'était, ce truc? Le tueur a fait tomber quelque chose dans ce conduit. Peut-être que le chat pourrait m'aider à l'atteindre. Merci pour le coup de main. C'est la planque du tueur. Il faut que j'aille à la maison du jugement.
Fais ton truc de fantôme et tire-moi de là. Allez. T'es mieux ici. Fais-moi confiance. Si tu le dis. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas souffert. Tu mens. Il est mort en protégeant des innocents, c'est tout ce qui compte. Il est mort à cause de moi. Hé hey. C'est pas en plaidant la folie que tu expliqueras les entrées par effraction ou ta fuite du poste. Alors arrête ça avec moi, c'est clair? Hé hey Rex, vas-y doucement. T'as quelque chose à ajouter? Non? Je m'en doutais. On verra ce qu'on fait de toi quand on sera au poste. Pourquoi est-ce que ça m'arrive tout le temps? Dis-lui ce qu'on a trouvé, tu dois tout lui dire. Trouve un moyen de le convaincre. Où est-ce que tu vas? Le tueur a laissé un indice à propos du vieux manoir qu'on a vu au musée. Parle-en à Rex aussi. C'est sûrement la plante du tueur. D'accord, j'essaye. J'ai entendu dire que cet endroit était un musée assez réputé il y a longtemps. Mais maintenant, il n'abrite plus que des rumeurs et des vieux clous rouillés. Le genre d'endroit où vous n'enverriez même pas votre pire ennemi. Bien, nous y voilà, la maison du jugement. Cet endroit n'a pas l'air si abandonné que ça. Je déteste avoir raison. Est encore fraîche. La sorcière qui a fui le Douni, sorcière en vol, âme solitaire. La mort embrasse en cette nuit, quitte ce monde, quitte la terre. Oh non, ce poème parle de Joy. On dirait le QG du crieur des morts. C'était quoi, ça? Pas vrai, Baxter! Oh. J'aurais dû t'arrêter à temps. Ronan? Qu'est-ce qui se passe ici? Espèce de taré! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi avoir relancé la chasse aux sorcières et tué toutes ces innocentes? Tu crois que c'est moi, le tueur? T'as perdu la tête? J'ai tué personne! Il faut que tu m'aides. Où est-ce qu'on est? Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Depuis quand on est potes tous les deux? Qu'est-ce que tu faisais ici? Je suivais une piste. Je n'ai jamais abandonné l'affaire. Il y avait cette voyante, Cassandra, qui travaillait avec moi. Ensemble, on avait compris que le crieur des morts s'en prend au médium. Comme un imitateur lancé dans une chasse aux sorcières. On ne pouvait pas laisser tomber. Même quand Rex m'a rétrogradé. Voilà pourquoi t'étais au musée. Où est le tueur? Aucune idée. Il pourrait être n'importe où. Quand on s'est battu, il a dit quelque chose que j'ai pas compris.
Attends une minute. Le tueur t'a vraiment parlé ? Pas beaucoup. Mais j'ai touché un point sensible. Quand je lui ai dit qu'il connaîtrait bientôt la mort, il a dit « Je la connais déjà ». Et quelque chose à propos d'un instrument de mort qui servira à nouveau cette nuit. Son instrument de mort ? Est-il une manière différente à chaque fois ? Je saisis pas. Non, moi non plus. On doit découvrir ce que ça signifie. Est-ce que tu sais où est Cassandra ? Elle est encore vivante ? Aux dernières nouvelles, oui. Elle est dans une planque à l'extérieur de la ville. J'y crois pas, elle est vivante. J'étais résigné à la retrouver morte. Joy va être folle de joie. Toi, tu vas retrouver Cassandra. Assure-toi qu'elle va bien et ramène-la au poste. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais fouiller cet endroit rapidement et trouver un plan. J'espère. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu prônes la vertu, mais tu te sais coupable ! Tu recevras le châtiment que tu mérites ! Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est-il juste ? La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière ! Ce soir, Abigail, les familles des âmes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausses accusations ? Quelles sont ces inepties ? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chair de cette ville. Si ça doit me prendre l'éternité, je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Attends, mon assassin est donc... Abigail ? C'est elle le crieur des morts ? Comment est-ce possible ? Il faut absolument que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver. Sandra, est-ce que Rex est revenu ? Il était en route pour le poste avec un suspect et on n'arrive pas à le joindre sur sa radio. Son portable répond pas non plus. Non, il n'est pas revenu. On vous prévient dès qu'on le voit. Bien reçu. Et merde, si Rex ne répond pas, c'est qu'elle doit être en danger. Où est-ce que t'as emmené Joy, enfoiré ? Ouais. L'instrument est celui de sa propre mort, le lieu de son exécution. La potence exposée au musée. Tiens bon, gamine. J'arrive. Personne ne mérite d'être assassiné. Et quand un meurtrier tente de justifier ses actes en invoquant la vertu, ça fait de lui un dangereux psychopathe. Joy ! Ronan, à l'aide ! Plus un seul geste. Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souillaient notre glorieuse ville. Allons-y. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient des pouvoirs répugnants. Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle. Tout doux, tout doux. Mettez les mains en l'air ! À l'aide ! Non, ne fais pas de conneries ! Mains en l'air ! Arrêtez-vous immédiatement ! Allez ! Tout de suite ! Abigail, arrête ! Espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu fabriques ? Pas maintenant. C'était toi depuis le début. Je ne voulais pas que tu découvres la vérité. Ronan, fais quelque chose ! Tiens bon, petite. J'arrive, j'arrive ! C'est
C'est terminé, Abigail. Le moment est venu, Abigail Williams. Fléau de Salem, l'heure est venue de payer pour tes péchés. Non, c'est impossible. Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi? Je veux bien jouer avec toi. Je connais la vérité sur ta mort. Mais je ne sais encore rien sur la mienne. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté. Le plus craint de tous les puissants de la ville. Oui, je me suis servi de lui. Mais enfin, comment est-ce possible? Le tueur de Rose avait les yeux bleus, ceux de Rex sont noirs. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Baxter. Pourquoi as-tu tué Baxter? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Mais moi, j'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes tueurs. Pourquoi m'avoir tué? Non. Impossible. Non. Non, impossible. Non, comment j'aurais pu? Tu m'as forcé à le faire. On a tous une part de ténèbres. Certains la dissimulent. D'autres pas. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur. Mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait. Mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délits mineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail.
L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estompent, le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours « la mort efface les dettes ». Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire, on ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête, en remboursant ses dettes. Et alors, enfin, on peut partir. Ronan ?